vidéo, ben écoutez, j'ai pas pu en faire entre-temps puisque bon ben, j'ai eu beaucoup de travaux chez moi, donc du coup j'étais beaucoup occupée et pas eu le temps de vous faire de contenu vidéo. Mais aujourd'hui j'ai 5 minutes qui traînent, donc j'en profite et j'ai pensé à vous. Donc j'ai une petite rentrée, pas énorme, mais une petite rentrée du mois de mai. Et donc voilà, bon ben vous me direz ce que vous en pensez, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des trucs sympathiques. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé sur Vinted, ce que j'ai précommandé, et sur les sites comme Le Bon Coin, tout ça. Donc le premier, c'était le détective Pikachu sous blister. Voilà, donc lui, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Il était toujours dans les prix à peu près à 20 euros, et puis déblisté, donc... Je me tâtais, je le prenais pas. Et puis là, ben, je l'ai trouvé à 15 euros, mais blisté. Donc du coup, ben, je me suis décidé, je l'ai enfin acheté. Donc voilà, lui, il va rester sous blister. Et il rentre dans la collection. Après ça, j'ai trouvé sur un vide-grenier, j'ai trouvé donc le GTA Chinatown. Donc bon, la boîte, il y a un peu de papier collé dessus. Faudra que je regarde ça pour le décoller. Donc il est complet. Voilà, il y a plein de notices, il y a la carte, il y a le jeu. Hein? Eh ben non, les aléas du direct. Le jeu, c'est pas le bon. Le jeu, c'est Squad Command. Donc du coup, bah, je me retrouve avec la boîte de GTA Chinatown, la notice et pas le jeu. Bon, ben voilà, c'est réglé. J'étais tellement contente de le rentrer. Tant pis, faudra que je le trouve en loose et que je le rajoute à sa boîte. Bon, en attendant, bah, tant pis, c'est pas grave. Heureusement que je l'ai payé que 5 euros parce que le type au début il en voulait 15. Et franchement, ça m'aurait bien fait mal de mettre 15 euros dans une boîte vide. Donc 5 euros, c'est très bien, ça ne mangera pas de pain. Après ça, sur Le Bon Coin, j'avais trouvé donc le Shadowman PS1 sous blister aussi. Alors, je sais pas si c'est un blister d'origine, vous me direz parce que je trouve que c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas la languette. Mais je sais pas si PlayStation ont fait des blisters sans languette. Voilà, vous me direz. La boîte est un peu pétardée, mais bon, ça, à la rigueur, ça veut pas dire que c'est pas un vrai blister. Mais bon, ben, vous me direz s'il a existé des blisters tout simples comme ça. Là, juste un morceau de plastique mis autour. Il n'est pas très épais, le blister. Il est plutôt fin. Donc, ça me fait dire qu'il est peut-être pas faux. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Moi, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 10 euros, donc même si c'est un faux blister, ça vaut toujours le coup. Après ça, sur un vide maison, j'ai trouvé ce petit jeu là, un petit FIFA 2002. Rien de super extraordinaire. La boîte, elle est défoncée, la notice, elle est présente. Le jeu, qu'est-ce qu'il dit? Le jeu, il est en relativement bon état quand même. Bon, j'ai acheté ça, je vous dis la vérité. Hein. Si j'ai une PS1 qui traîne, eh ben, ça partira avec la PS1. Voilà, donc un petit FIFA 2002 pardon, que j'ai payé 1 euro. Après ça, je m'étais précommandé donc le Pokémon Snap, le New Pokémon Snap sur Switch. Donc voilà, je l'ai reçu. Le voili, le voilou. Hop, tout neuf, sous blister. Je ne le toucherai pas. De toute façon, Pokémon Snap, pour prendre des Pokémon en photo, c'est pas trop mon délire de jeu. Donc voilà, je suis contente de le rentrer. Il est là, il est tout beau. Après ça, j'ai trouvé ceci sur un vide maison également. Donc apparemment, c'est un chargeur de Game Boy Advance japonais. Parce que la prise est bien, bien jap. Voilà, donc hop, je vous montre à l'intérieur. C'est en boîte, c'est plutôt dans un bon état. Donc je suis contente de rentrer cette espèce de gadget, d'accessoire. Et je l'ai payé 3 euros, je crois, ou 2 ou 3 euros, enfin, pas bien cher. Et bon, bah, c'est original, quoi. C'est pas un produit qu'on croise souvent, donc je suis contente de le rentrer. Voilà, il vient se positionner également dans la collection. Après ça, également sur un vide maison, j'ai trouvé le Final Fantasy Tactic Advance. Donc lui, c'est pareil, ça fait un petit moment que je le voulais. Là, je suis bien contente de le rentrer. Dommage qu'il soit pas en boîte, évidemment. Mais bon, déjà, rien qu'en loose, je suis bien contente de le rentrer. Je l'ai payé 5 euros, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que je l'ai payé 5 euros. Donc voilà, je suis bien contente de le rentrer dans la collection. Avec ça, j'ai trouvé
au même endroit, un Tetris. Bon, le Tetris, je l'ai 3 ou 4 fois sur Game Boy à force, je le trouve de partout. Je tombe toujours sur ce Tetris. Mais bon, à chaque fois que je le trouve, je le prends. Donc celui-là, je l'ai payé 5€ et il est plutôt en bon état, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Après ça, sur un vide-grenier, j'ai trouvé encore un jeu de Game Boy un peu éclaté sur le côté, c'est le World Cup. Donc celui-là, bah, c'est un petit jeu de football, je suppose, hein. Ça m'a tout l'air en tout cas. Je ne l'avais pas, donc pour 2€, ben, je l'ai pris. Voilà, le World Cup. Après ça, j'ai trouvé sur un vide-grenier également une PlayStation 2. Voilà, la caisse. Donc la PlayStation 2, j'en ai trouvé deux sur le vide-grenier, à vrai dire. Une que j'ai payée 10€ et une que j'ai payée 8€. En loose, comme ça, hein. juste la carcasse. Donc je les ai essayées toutes les deux. Et évidemment, les deux ne lisent pas les jeux. Pour changer un peu, les PlayStation 2, de toute façon, c'est leur maladie. Et le tiroir qui bloque un petit peu aussi. Donc je verrai pour les réparer. Et si j'y arrive, et ben voilà, j'aurai de nouveau deux PlayStation 2 qui seront dans la collection. Après ça, ma dernière trouvaille, donc c'est plutôt costaud, c'est pas mal. C'est le coffret collector de le jeu Switch Zelda Breath of the Wild. Donc lui, c'est seulement la boîte vide. Mais comme j'avais chopé le jeu récemment, là, le Zelda Breath of the Wild, que je l'avais chopé récemment, du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la boîte. Éventuellement, après ça, trouver le CD et l'épée. Et compléter ce petit collector. La boîte est vraiment dans un état impeccable. Et c'est un petit collector qu'une fois complet, je pense qu'il risque de grimper en cote. Donc ça serait cool que j'arrive à le compléter et le mettre dans la collection. Donc je suis contente d'avoir rentré cette boîte. Je l'ai payé 18€ sur Vinted. Et puis bah écoutez, je vous tiendrai au courant de l'avancement si j'arrive à le compléter ou si je n'arrive pas à le compléter. Écoutez, pour aujourd'hui, ben, on a fait le tour. Je crois bien qu'on a fait le tour. Et ben, j'espère trouver d'autres nouveautés. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt !